qu'on a toujours gardé des relations extraordinaires avec cette famille. Et pour moi, les Brunin et les Diamants, c'est une seule famille. Et actuellement, je suis membre de la commission des justes à Yad Vashem. Et ce qu'on sait, c'est que reconnaître ceux qui ont fait, qui se sont permis de sauver des gens en savant qu'ils mettaient en danger leur famille, leurs enfants, c'est quelque chose d'inouï. Et je demande qui parmi nous aurait le courage de donner son enfant sans pleurer et le laisser. Et je dis, les gens qui ont eu le courage de prendre ces enfants, de les accepter en sachant qu'ils mettaient en danger leur famille, c'est quelque chose d'inouï et d'inoubliable. Je m'appelle Nathan Diamant. Je suis né en Belgique le 12 juillet 1938. Mes parents sont nés en Pologne. Mon père, il venait d'une famille religieuse. La famille de ma mère, qui appartenait à une famille plutôt religieuse, plutôt aisée. Mes parents, ils ont un premier enfant en 1933 qui s'appelle Jacob. Et en 1940, notre jeune frère aîné, mais étant donné que la situation était déjà grave et qu'on avait peur des événements, on lui donne un nom non juif et il s'appellera Paul. Mes parents, donc, qui étaient en Belgique, ils parlaient entre eux probablement en yiddish, peut-être en polonais. Je ne me souviens pas de cette époque, j'étais trop jeune. Donc j'avais 2 ans, 3 ans, 4 ans, donc il n'y a pas de grands souvenirs de cette époque. Mais nous avons parlé toujours français. Mes parents qui décident qu'il vaut mieux quitter la Belgique. Mon père et ma mère nous prennent, moi et mon jeune frère, donc, qui était juste né à l'époque. Mon grand frère était en vacances de l'école dans une institution où il était en vacances. Et mes parents, ils décident de nous prendre et de nous amener à Paris. Et mon père reviendra à Bruxelles et en Belgique pour reprendre mon frère Jackie. Nous arrivons à Paris, nous sommes hébergés probablement près de la famille de mon père. Donc mon père revient à Paris avec mon grand frère Jackie et il découvre qu'on a été arrêté. Et on n'a pas de détails, mais il s'avère qu'il a réussi à soudoyer les gardes et qu'on nous a libérés. Et on est resté encore à Paris un certain temps. Et lorsqu'il s'est avéré que la situation n'était pas trop grave en Belgique, on revient en Belgique.
la situation en 1942 s'aggrave et mes parents ils décident qu'il faut trouver des endroits où cacher les enfants. Et donc mon plus jeune frère qui à l'époque qui s'appelle Paul, et il sera caché pendant 2 ans chez une famille flamande. C'est donc chez la famille Franck, qui s'appelle, dans un endroit qui s'appelle Oplinter, près de Tirlemont. Concernant Jackie, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Ce que nous savons, c'est qu'il a probablement été caché avec mes parents, qui eux ont été cachés dans une mansarde chez la famille d'Ombreux à Bruxelles. Il a probablement été caché avec eux pendant une certaine période, et à la fin de la guerre, il a été placé dans une pension. Ce qui se passe avec moi, donc ma mère contacte la résistance. Il y a un réseau de résistance qui s'occupe de cacher les enfants juifs. Et on lui dit, écoutez, vous amenez votre fils à la gare du Midi et vous le laisserez dans le train. Il lui donne des détails. C'est que ma mère me dit, à partir de maintenant, tu t'appelles Albert Dumont et tu vas être avec une personne très, très gentille, assieds-toi là-bas. Et elle m'amène dans un wagon où est une femme qui s'appelle André Gueulen. J'apprendrai son nom plus tard. Elle me laisse. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ne pleure pas, sans pleurer, sans larmes. Et il y a une femme très jolie à côté de moi qui commence à raconter des histoires. Donc c'est intéressant que mon premier souvenir de jolie femme, c'est date de l'âge de 4 ans. Et je découvrirai plus tard que cette femme était une femme extraordinaire. Et voilà son histoire. Et elle est institutrice dans une école. Et il y a donc un enfant qui arrive dans sa classe. Et il a ça sur, comme ça, sur son vêtement. Et elle lui demande « qu'est-ce que c'est ?» Et il lui dit « ma mère m'a dit que je suis juif et qu'à partir de maintenant, il faut que j'ai cela sur mon vêtement. » Elle lui dit « mais comment, tu n'es pas un animal, je ne suis pas prêt d'accepter ça. » Et donc elle dit à l'enfant « enlève ta veste quand tu es en classe. » Et l'enfant revient plus tard chez lui et elle quitte l'école. Elle décide qu'elle n'est pas prête à continuer à donner des cours quand la situation est en train de s'aggraver. Et elle va participer, à ce que j'apprendrai plus tard, à un groupe qui va s'occuper de trouver des endroits où cacher des enfants. Et elle participera au sauvetage de près de 1000 enfants où ils trouveront des familles qui les garderont pendant la guerre. Nous arrivons à Gand. On me laisse chez une personne où il y a encore une quinzaine d'enfants qui s'appelait Madame Hoquet. Et ce qui se passe donc, je suis assez malheureux parce que cette jolie femme m'a quitté. Ma mère n'est pas là et nous sommes une quinzaine d'enfants. Et au bout de quelques jours, il y a une femme qui arrive avec un imperméable et un chien, et elle vient, je commence à jouer avec le chien, et elle me dit « est-ce que tu es content ?» Alors je dis « oui, j'aime bien le chien ». Elle dit « peut-être viens un peu chez moi, tu vas jouer avec le chien, et tu auras un ami qui s'appelle Didier, c'est mon fils ». Au bout d'un petit moment, je lui dis « bon, je viens avec toi, mais pour un petit moment, pour jouer avec le chien ». Et donc je vais avec elle, et elle m'amène dans une maison. Il s'avère que c'est une famille aristocratique. Le père Lucien Brunin était avocat. Donc cette maison se trouvait place du Marais à Gand. Et c'était 3 étages. Au 3e étage, il y avait la mère de Lucien Brunin. Et lorsque j'arrive là-bas, il s'est avéré plus tard, donc on m'a raconté ça, qu'on me présente à toute la famille. Alors Lucien Brunin très content, Didier très content, et on présente à la mère de Lucien,
Et elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Et on lui explique, un enfant juif qu'on va cacher chez nous. Et lorsqu'elle entend ça, elle dit, mais vous ne comprenez pas, vous êtes en train de mettre en danger votre fils, vous-même et moi. Ce n'est pas possible, ne gardez pas cet enfant chez vous. Je jouais donc là-bas avec le chien et probablement j'avais des comme assez sympathiques. Et au bout d'un certain moment, elle dit, bon, laissez-le un petit moment, on va voir plus tard. Et ce petit moment, il a duré 2 ans. Donc pendant 2 ans, j'étais chez cette famille extraordinaire, la famille Brunin. Ils me disent, écoute, tu vas dormir au premier étage à côté de chez nous, on te met un lit et dit, on va mettre les photos de tes frères et de tes parents près de ton lit. Et tous les soirs, quand tu rentres, tu leur racontes comment s'est passée ta journée. Et je crois que grâce à ça, j'ai passé vraiment une période où je ne sentais pas que j'avais été laissé par mes parents. Et effectivement, ils m'ont dit, et au cas où tu te réveilles, tu as un cauchemar, tu viens et tu sautes dans notre lit et tu restes avec nous. Leur lit, donc leur chambre à coucher, était juste à côté. Et grâce à ça, directement, je me suis senti chez eux, en famille. Je l'appelais Tanginette. Lui, je l'appelais Oncle Lucien. Et leur fils, je l'appelais Didier. Et nous sommes devenus très, très rapidement amis. Lui, il racontait tout le temps des blagues que je ne comprenais jamais, mais j'adorais rigoler. Lui, il était vachement content parce que je disais « ha ha ha, hi ho ho » et lui, il comprenait que je ne comprenais rien du tout, mais nous étions tous heureux, toute la famille adorait quand je rigolais. Donc, je n'ai pas été à l'école pendant ces 2 ans et il s'est avéré que Ginette Brunin, étant donné que j'étais circoncis et qu'eux, ils savaient que j'étais juif, donc ne permettait à personne de s'occuper de moi. Elle me lavait, ils ne m'envoyaient pas à l'école et elle s'est occupée de m'apprendre à écrire et à lire. J'ai eu aussi beaucoup l'aide de Lucien qui me montrait les photos dans les livres qu'ils avaient chez eux. Ils avaient énormément de livres puisque c'était une famille d'un très haut niveau, donc il y avait surtout des livres avec des photos. Alors, c'est des petits souvenirs, mais qui représentent à quel point j'étais heureux chez cette famille. Ce que je ne savais pas, c'est que uniquement en 1944, et ma mère contacte la résistance et les avise que elle croit que ça va, que rapidement tous les Juifs vont être pris dans les camps de concentration, parce qu'à l'époque on sait déjà que les camps de concentration existent. Et elle voudrait au moins me voir une fois et savoir si je suis bien avant qu'eux ils seront probablement pris exterminés. Alors on lui dit ne soyez pas trop inquiet, mais on vous arrange une rencontre pour que vous voyez que votre fils est très bien. Mais vous ne pouvez pas prendre le train, parce que dans le train, les Allemands, ils arrêtent ceux qu'ils considèrent comme juifs, donc il faudra prendre plusieurs trams. Et donc elle prend une dizaine de trams en passant de l'un à l'autre pour arriver jusqu'à un endroit qui était dans un café près de Gand. Pas dans la maison où j'étais caché, mais dans un endroit pas trop loin. Et elle arrive, et je suis heureux, et je l'embrasse, et elle est heureuse, et on se sent tellement bien. Et j'ai l'impression qu'elle était tout le temps avec moi, et elle voit à quel point je suis heureux. Et c'était ça qui était extraordinaire. Car pour elle, savoir que j'étais bien, et que j'étais heureux, était très 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 important, ce qui était évident et compréhensible. Et elle raconte au Brunin, donc elle croit que c'est que elle est. Et mon père, il croit que c'est la fin, leur fin, et il demande qu'est-ce qui va se passer avec notre fils si nous sommes pris par les Allemands et exterminés. Alors Lucien Brunin, il dit, ne vous inquiétez pas,
la fin de la guerre est proche, et il invente une date, et il dit en juin tout va se terminer. Et il avait inventé ça pour leur donner courage, et il s'est avéré qu'en juin, il y a effectivement il y a eu le début de la fin de la guerre, et mes parents, ça les a énormément encouragés. Et ce qu'ils leur disent aussi, ils disent ne vous inquiétez pas, de toute façon, nous nous occupons d'Albert, parce qu'il m'appelait Albert aussi, donc, et nous serons prêts, même si au cas où il arrive quelque chose, nous l'adoptons, mais ne vous inquiétez pas. Et ma mère revient donc à Bruxelles et retrouve mon père et lui raconte tout ça. Et plus tard, elle nous a raconté à quel point elle avait été soulagée en croyant qu'effectivement, ce serait la fin de la guerre et qu'il y avait des gens extraordinaires et que j'étais très bien. La fin de la guerre approche, il y a des bombardements à Gand, il y a des endroits où on retrouve des maisons qui sont détruites. À un certain moment, les Allemands ils décident de fuir Gand. Nous avons été cachés, donc on nous a mis dans la cave à l'époque. Et ce qui s'était passé, c'est que pendant la nuit, la résistance à Gand, ils avaient attaché des casseroles aux voitures et à tout l'équipement militaire qui se trouvait chez les Allemands. Et lorsqu'ils ont quitté Gand au milieu de la nuit, il y a eu un concert extraordinaire et toute la population était heureuse et savait que les Allemands, ils s'enfuyaient et quittaient Gand. Ce qui se passe quelques jours plus tard, ceux qui vont libérer Gand sont des troupes des forces polonaises, entre autres. Et les Brunais savaient probablement que mes parents ils étaient d'origine polonaise. Ils avaient acheté des drapeaux polonais et me les avaient donnés. Et on se trouvait dans la rue, on applaudissait les soldats et les voitures militaires des Polonais qui arrivaient avec leur drapeau, et moi j'étais avec mes petits drapeaux polonais, je ne savais pas exactement pourquoi, mais je me souviens toujours de ces petits drapeaux qu'on tenait dans la main, et qui n'étaient pas des drapeaux belges, mais des drapeaux polonais. Ce qui s'est passé, donc je reviens, donc ma mère revient me prendre à Gand début 45. On arrive de nouveau à la gare du Midi, cette gare où j'ai quitté mes parents à l'époque, et je retrouve mon père. Quelle émotion, c'est extraordinaire. Je le retrouve, on s'embrasse, on est tellement heureux de se retrouver. J'embrasse mon père, on est très heureux. Il se trouve qu'il y a un garçon avec lui, et on prendra le tram pour rentrer chez eux. Et dans le tram, ce garçon est assis à côté de moi. Je demande à mon père qui c'est, il me dit que c'est quelqu'un qui habite... je ne sais pas exactement ce qu'il me dit, mais probablement quelqu'un qui habite dans la maison. Et je raconte à ce garçon que j'ai un grand frère et qu'il est très fort et et je lui dis « conduis-toi bien avec moi parce que ce frère est très très bien, très grand ». Donc un frère que je n'ai pas vu et je ne sais rien de lui depuis plusieurs années. Et on monte donc dans l'appartement de mes parents et ce garçon il monte avec nous. Alors je demande à mon père, pourquoi est-ce qu'il monte avec nous? Alors il dit, parce que c'est ton frère. Et à ce moment-là, il s'avère que ce garçon qui avait été avec moi, c'était mon frère et il ne m'avait rien raconté. Donc je rencontre Jackie la première fois et je suis heureux de retrouver mon frère. Et ce qui se passe, c'est que quelques jours plus tard, il y a mon autre frère qui revient chez nous. Et avec lui, la situation est différente parce qu'on le voit. La première fois, il est très très bien habillé parce que ma mère adorait bien nous habiller. Et il se trouve dans un coin, on commence à lui parler et il nous répond en flamand. Et nous, on parle français et on n'arrive pas à se comprendre. Et il s'avère qu'il avait été caché pendant 2 ans chez une famille flamande et qu'il ne connaissait pas un mot de français. Et ça a pris un petit moment pour qu'il reprenne la langue française et qu'on recommence à vivre une vie de famille normale et extraordinaire après la guerre.
ces années où on était séparés, on se retrouve tous enfin ensemble. Il n'y a pas de mots pour dire le sentiment qu'on a. Ce qui se passait chez nous, c'était le soir, mon père, il commençait à nous chanter des chansons de sa jeunesse, des chansons chassidiques. Et nous, on était tous dans le lit en train d'écouter. Et nous retrouvons enfin les repas extraordinaires qu'il avait l'habitude de nous préparer. Le gefilte fish, les oignons frits, et encore les potages et le poisson, la carpe. Donc nous retrouvons toute une cuisine qui avait complètement disparu, parce que chez les Brunins, c'était vraiment la cuisine française par excellence. Très bonne cuisine d'ailleurs, mais tout à fait différente de la cuisine juive que nous avions, avec laquelle nous avions grandi et que nous retrouvons avec bonheur. Mes parents, ils s'occupent donc de réorganiser leur vie. Un de nos souvenirs, c'est que Jackie allait à l'école et de temps en temps, il revenait avec l'œil au beurre noir, l'œil poché, donc, parce qu'il avait reçu des coups par des enfants qui lui disaient ça juif. Et lui, il réagissait immédiatement. Et donc, il s'avère que l'antisémitisme n'avait pas disparu. Et donc mon père, qui avant la guerre était dans le Bund, il commence des activités qui se rapprochent plutôt d'activités sionistes d'une certaine façon. Il va au congrès à Bâle avec ma mère. Et on parle assez souvent chez nous de la famille, une partie qu'il a en France, donc les sœurs, mais surtout de la famille qu'il a en Palestine, et il nous avise un jour qu'il va aller en Palestine pour voir sa mère et son frère. Par miracle, sa famille a survécu en partie parce qu'ils avaient quitté la Pologne. Ceux qui sont restés en Pologne ont été exterminés. Donc il y avait déjà des préparatifs chez nous à la maison pour un jour peut-être partir en Israël. Et effectivement, après que l'État d'Israël a été accordé, mes parents, ils décident que nous irons nous installer en Israël. Et en 1949, Jackie, qui est à la Gordonia, tous ses amis, ils vont en Israël avec la Gordonia, et nous décidons tous de prendre le bateau avec Jackie. Ce voyage en bateau est assez extraordinaire. On a l'impression de retrouver la lecture qu'on avait dans notre jeune âge de Jules Verne. On est en bateau, on est sur les vagues, et puis on arrive à Haïfa et on voit le Mont Carmel. Extraordinaire, c'est inouï. Après la Belgique où il pleuvait tout le temps, où tout était gris, soudain tu arrives au soleil. On arrive donc, on reste encore quelques heures dans le bateau, en face de nous, le Mont du Carmel. Et plus tard, donc, nous irons pour un an dans une pension, dans un kibbutz, un Mossad qui s'appelle Adassim, où nous resterons un an et là on apprendra l'hébreu et on commencera à s'habituer à Israël. Et mon père, lui, était resté en Belgique pour se débrouiller, donc de savoir de quelle façon se débrouiller financièrement quand il viendrait en Israël. Il venait nous voir de temps en temps, et ce dont je me souviens, c'est qu'il amenait avec lui des victuailles, des beefsteaks parce qu'il n'y avait pas de viande, du beurre parce qu'il n'y avait pas de beurre. À Adassim, lorsqu'on mangeait à la place d'un œuf, on mangeait 6 olives. Donc la situation était difficile à l'époque, au début de l'État d'Israël. Donc au bout de près de 2 ans, il y a mon père qui vient et qui s'installe avec nous en Israël. Et ce qui nous manquait un peu, c'était le journal du jeudi qu'on achetait en Belgique. C'est-à-dire, il y avait Tintin et Milou, il y avait Spirou, il y avait, je crois, Astérix. Il y avait, donc on avait une lecture, on avait pris l'habitude de ces journaux. Thank you.
Donc je suis encore célibataire, je sors avec une fille très sympathique et très agréable que j'ai rencontrée comme on en avait l'habitude près de la mer à Tel Aviv. On sort ensemble et un jour donc on est chez elle à la maison et il y a un programme à la télévision et donc la télévision était en noir et blanc à l'époque et on regarde ce programme, elle me dit tiens il y a mon père ici et je lui dis qui est-ce que c'est parmi tous ceux-là, elle me dit celui du milieu. Alors je lui dis oui mais c'est Yitzhak Shamir. Elle me dit oui c'est mon père et soudain je réalise que le père de celle qui sera mon épouse c'est Yitzhak Shamir, président du Parlement israélien. La modestie incroyable. Donc j'étais sorti avec elle plusieurs mois, elle ne m'avait jamais dit un mot. Et soudain je découvre ça et c'était par la suite, c'était toujours pareil. Des gens extrêmement modestes, des gens formidables, pas encore mariés. Et chaque fois que je vais en Europe, et j'y vais assez souvent, je vais rendre visite à la famille Brunin. Et voilà, je m'approche de l'âge de 40 ans, resté célibataire. Et un jour j'arrive chez eux, ils me disent « Quand est-ce que tu te maries ?» Et je leur dis « Prochainement ». Alors ils me disent « Youpi, on vient en Israël ». Et voilà comment on retrouve la famille Brunin qui vient en Israël pour mon mariage. Et après donc, la cérémonie du mariage, il y a eu une grande cérémonie à Yad Vashem où ils ont obtenu le titre de juste parmi les nations. En août 2020, mon fils et son épouse ont eu une petite fille et mon fils me téléphone et me dit on l'a appelée Rani Ginette Diamant. Donc ils lui ont donné le nom de la personne qui m'a sauvé. Je crois que ça représente vraiment tout ce que je vous ai raconté ici de nos relations continues avec la famille Brunin. La petite fille Ginette et Lucien Brunin vient en Israël avec son époux et ils vont à Jérusalem et ils sont près de l'arbre qui est à Yad Vashem et on est ensemble et ils me disent voilà, l'arbre a poussé de telle façon qu'il y a deux grandes branches, une branche pour Ginette Brunin et une autre pour Lucien Brunin. C'est extraordinaire. Aussi un de ces souvenirs qui nous restent.